fait déjà 12 ans qu'on essaie de bosser. Perso, j'aurais jamais cru en arriver là. Parce que c'est un club qui dégage vraiment une convivialité, une force par ses amitiés et par ce que les joueurs ont vécu ensemble depuis quelques années. Famille, parce que c'est un club qui est très familial. Je me rappelle, moi, quand je suis arrivé à Orthez à l'époque, moins de 18, j'ai été accueilli comme si je faisais partie du club depuis beaucoup d'années. Ça faisait 10 ans que j'étais là. Je dirais que la saison elle est difficile et fantastique. Difficile parce que, comme vous le savez tous, on a perdu quand même des bons joueurs en partant cette saison. L'objectif c'était de faire un top 4 au final. On s'est retrouvé quand même très vite à être prêt, à avoir un projet prêt. Mais ça a été difficile et ça a demandé du travail à tout le monde, aux dirigeants et notamment aux joueurs aussi. Difficile aussi un petit peu dans son contexte puisqu'on a été à la lutte avec Arcachon pendant tout le championnat. Et on l'est encore ce soir quand on va jouer le match des Innes. Donc difficile sur ce point-là, mais ce que je retiens vraiment, c'est qu'elle a été fantastique parce que justement, une saison comme ça, ça se vit une fois. Avec le groupe qu'on a aujourd'hui, avec le fait que ce soit un groupe jeune, composé en majorité de joueurs qui sont d'Orthez, c'est fantastique d'en arriver là, de produire ce niveau de jeu, de produire ce niveau de spectacle aussi lors des matchs avec les supporters, les partenaires, les dirigeants, les joueurs. Donc des émotions fantastiques. Donc difficile dans son approche et dans son fonctionnement, mais fantastique dans les émotions qu'on a pu traverser et dans je l'espère, le jeu qu'on a produit pour tout le monde. C'est une défense qui est pas mal sanctionnée, quasiment 5 fois 2 minutes par match, en particulier Pétrin et Berdoula qui entraînent beaucoup, et Potvin également. Face à vos parents, à vos amis, vos copains, vos copines, etc. Face au club. Juste par rapport, avant que je commence la vidéo et qu'on traverse un petit peu la vite fait ce qu'on a déjà traversé cette semaine, Ezine c'est une équipe particulière dans le sens où dès qu'elle est en difficulté, c'est là qu'elle arrive à exploiter son jeu, vraiment. C'est-à-dire que souvenez-vous un petit peu au match aller, mais d'autres matchs que moi j'ai eu en image, quand elle est dans la dure, c'est une équipe qui a du mal à monter les balles, qui a du mal à bien défendre, qui encaisse des buts, donc du coup qui joue pas de montée de balles puisqu'ils sont obligés de jouer des engagements rapides, ça ralentit leur jeu. Pour le coup, au plus ils sont en difficulté et au plus leur jeu fait qu'ils le sont. On va venir aussi sur le rapport de force. C'est ça, il a raison Thierry. Là où il faut qu'on soit vigilant aussi, c'est que très vite, c'est une équipe, je pense, qui avait une des meilleures circulations de balles. C'est une équipe qui fait circuler la balle vraiment vite, okay, et qui pose des problèmes en défense de zone. Nous, on est en zone. La réalité, c'est qu'il faudra faire tous des efforts de flottement défensif à 100%. On passe, si sur une 60, sur une trentaine, et quand on passe 2000, ils vont nous cueillir, ouais, je veux dire, tout le temps les montagnes inversées. Comme on a fait hier. Ouais, ils vont reculer. C'est bon, aussi, les gars. C'est ça. Allez, je le disais tout à l'heure à nos reporters, okay, mais on a vécu une saison qui est à la fois difficile et fantastique. Difficile parce que tout n'a pas été tout rose. Okay, on a vécu un championnat mouvementé, on a eu des choses qui ont été difficiles à gérer, le départ de certains joueurs, le fait d'en intégrer des nouveaux, on a réussi le pari. Si on en est là aujourd'hui à jouer ce match-là, c'est parce qu'on a réussi le pari. Et elle était de notre côté fantastique parce qu'on a vécu au travers de nos émotions et qu'on a vécu des matchs fantastiques. Souvenez-vous de ce qui a fonctionné ce soir. Tout ce qui ne fonctionne pas, on s'en branle, on le laisse de côté. L'adaptabilité, la capacité à être serein, se dire que ben, si cette balle n'est pas dedans, elle sera d'après. C'est pas grave. Serein. Les qualités sont dites par les autres. Ça fait du bien d'entendre ça. Ça, c'est sûr. Et derrière, le fait qu'on se dise les choses, ça crée de la confiance. Donc, beaucoup d'engagement, beaucoup de détermination, mais beaucoup de calme, de sérénité. Ça marche? Allez, mon Juju. Allez, mon Juju. Allez, juste une dernière chose. On a une heure pour écrire l'histoire. Une heure. C'est rien dans une vie. C'était lourd, c'était dur. Aujourd'hui, on est arrivé. Une heure pour écrire cette putain d'histoire. Une heure, ça suffit. Une putain d'heure. Et pour ça, il faut qu'on défende ensemble. Hein, il faut qu'on lâche tout sur le terrain. D'accord? Antoine Carrère, c'est aujourd'hui. Le défaitiste, aujourd'hui, il ne sera pas défaitiste. Il aura envie de tout niquer aujourd'hui. Ok? Lucas, il était absent, mais c'est pas grave. Athlétiquement, il est en place. Ok? Par contre, individuellement, les gars, vraiment qu'on donne tout aujourd'hui. S'il vous plaît, à la fin du match, j'aurais envie de me foutre un carreau, mon pote. Hein, à tout oublier dimanche. Ok, les gars?
Allez les gars, allez, faisons plaisir aux gens. Les gars, engagez-vous, engagez-vous comme c'était un putain de match qu'on se souviendra toute votre carrière dans le balleur. Ça arrive pas souvent ces matchs-là, et aujourd'hui c'en est un. Allez. 1, 2, 3, on gagne. Allez, pour vous engager. This way, doing all these shows. I've been on the road, I don't care where I go, as long as I get paid. Bad little vibe, she been on my mind. Soon as I get back, she can slay. Do this all the time, this ain't no surprise. Every other night, another movie getting made. Drip too hard, don't stand too close. You gon' fuck around, drown. Off this way, doing all these shows. I've been on the road, I don't care where I go, as long as I get paid. Bad little vibe, she been on my mind. Soon as I get back, she can slay. Do this all the time, this ain't no surprise. Every other night, another movie. Non, Sacha. Pendant 60 minutes, on a pas mal. Hein. Il soignera après avec l'alcool. Là, là. Allez, approchez les gars. Approchez-vous. La défense, les gars, on l'a dit. On défend fort et après on joue. Allez. Allez, les gars, je prends la parole 10 secondes avant de tirer. Les gars, c'est très important de montrer que dans le premier quart d'heure, on va être présent. Que dans le premier quart d'heure, on va s'arracher comme des chiens et qu'ils n'auront rien à espérer. D'accord ? Ça veut pas dire qu'il faut qu'on soit devant au score ou qu'on soit très loin au score. Ça veut juste dire qu'il faut qu'ils comprennent que dans le combat, ils vont rien faire. D'accord ? Est-ce que c'est clair, ça ? Donc, quoi qu'il arrive, on va au bout ensemble, on s'écoute pas, on va au bout du bout du bout du bout, on se bat comme des chiens, personne s'écoute, on se bat. Ok ? C'est le moment d'une vie, les gars. Allez, c'est parti. Allez, bien. Il faut que quand on rentre dans ce putain de terrain, soit en transe. Il faut qu'on soit sur un petit nuage. C'est important, d'accord ? Donc, toutes les décisions négatives qu'il y a autour, le public, les insultes, tout ce qui peut se passer, on s'en branle. Aujourd'hui, on a un seul objectif. Vous savez, c'est lequel ? C'est la montée en National 2. Un seul putain d'objectif. Un seul objectif, ça veut pas dire que c'est chacun pour soi. C'est collectif. Collectivement, on va y arriver. Comme depuis le début de la saison, on n'a pas le meilleur effectif. Par contre, collectivement, on est présent. On a la dalle, on a envie. On est invaincu à la maison et ça restera aujourd'hui, les gars. Vous m'entendez ? Ça restera aujourd'hui. Allez, chose qui peut. Allez, 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 allez. Oh, regarde ce qui se passe, mais c'est 32. C'est à plat, l'entrée 32. Merci à Manon, merci à Julien, merci si on en est là, c'est aussi grâce à Julien Jolot. Merci d'applaudir très fort, numéro 88, Julien Jolot. Body body, je suis en first class. Comme Wheezy Wheezy, Drake et Birdman. Le poumon a baisé les Air Max. Ouais ouais, le monde est méchant. Ouais ouais, ouais ouais, vraiment trop méchant. Je peux pas faire comme si j'avais pas chez champ. J'ai yombé Paris, je dors plus sur les champs. Que des flops, pas des fils de
tiré l'alarme, on a fait flipper les tarots. Eux c'est des garantes. Et dehors c'est Koh Lanta. Et comme dehors c'est Koh Lanta, j'ai ma guitare et mon couteau. Elle est bonne, vraiment bonne. Je les capote et je me la raconte. Dehors c'est chaud, tu connais. Tu vas te faire chez moi comme pop. Je suis sorti du pays, diplômé. Qu'on va vraiment mettre le bleu de chauffe en seconde mi-temps, okay, et qu'on va faire les choses comme il faut, soit on va se tromper encore une fois dans ce qu'on sait qu'il faut pas qu'on se trompe. Pareil, deuxième temps, rentrée derrière, pas de rentrée dédiée. Les replis défensifs sur le numéro 14, il a eu 3 contre-attaques. C'est trop. C'est trop. Si on en a eu une parce qu'on n'a pas été au bout de l'action, ben c'est suffisant. Très bien, il en a eu une. Il en a 3 dans une séquence, ça va lui faire quoi? 6 buts sur contre-attaque au mec? Alors qu'on sait qu'il court. Donc mettez-vous la tête au frais un petit peu là, ok? Vous allez rentrer avec beaucoup plus d'engagement et de conviction. Tranquille, ça va bien se passer. Je vous dis de pousser les balles sur le grand espace, on engage des rotations. À partir du moment où on commence à engager des rotations, ainsi de suite, on a un fil conducteur qui se passe, il y a du grand espace qui se fait, puis d'un coup on joue plus. On joue plus sur grand espace. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Expliquez-moi. Est-ce que vous avez vu qu'il y a une rotation en face? Si elle est de gauche, le seul mien qui a tourné, c'est l'ailier gauche. Qu'est-ce qu'on fait? On leur donne un quart d'heure, ok, pour pouvoir se remettre tranquille. Donc on va se remettre un petit peu là, les pommes dans les pommes, dans les pommes dans les chaussures, on va se mettre au clair, tranquille, et on va se dire qu'en seconde mi-temps, à la fois on peut être engagé, on va se battre avec des armes tactiques qu'on connaît, merde, putain. Le travail. Le travail. Les choses qui fonctionnent, refaites-les, putain, la 63 elle a fonctionné, tu vas re-rentrer, tu vas pouvoir la rejouer, ok? Refaites aussi du travail sur le 31, il a fonctionné, on sort du temps mort, on joue un 31 avec le 2 contre 2, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on fait après? Rien du tout. Rejouez-le, putain, si ça fonctionne. Appuyez où ça fait mal, je vous ai expliqué que les postes 2 étaient en difficulté dans le duel direct. Jouez des 61, on n'en a pas joué. Est-ce que vous avez rencontré des problématiques? C'est maintenant, les gars. Moi je pense que c'est sur le repli les gars, on n'est pas attentif, on attend presque que le gars il tire, voir s'il y a but ou pas but. Oui. Il se passe rien, on replie pas, on sait qu'il joue grand espace rapide, il faut replier direct, but ou pas but. Oui, sur la première, enfin les 15 premières minutes, on regardait pas le tir, on se barrait tous et derrière il n'y avait pas les contre-attaques. Derrière on arrivait à gérer, d'accord? Défensivement on était tous au repli défensif, on y était en bas. Et là sur la deuxième, fin de période, je sais pas ce qu'on fait. Hein, on a plus 3 et là on se laisse revenir comme ça. Il faut qu'on ait un peu d'orgueil à la maison les gars. Hein, on a dit que c'était un jour spécial aujourd'hui. Hein, 0-0 les gars. Allez. Donc écoutez-moi bien. Okay, on va repartir avec nos armes, avec ce sur quoi on sait combattre. Okay, et on va combattre avec ça. Point à la ligne. Ça marche? Yes. Donc soyez très attentifs, très concentrés quand vous rentrez. À chaque fois quand vous rentrez, je vous dis attention, pensez, préparez-vous, vous rentrez dans 2-3 minutes. Putain, préparez-vous les mecs. Donc deux solutions là pour les mecs qui sont vexés. Okay, soit vous re-rentrez avec des convictions, soit vous re-rentrez... Okay, avec des convictions, c'est-à-dire servir le collectif et servir sa performance, soit vous rentrez en pensant que la terre entière sont des cons, et à ce moment-là, vous allez plomber le truc. Vous, hein, vous allez pas être bon, vous. Et ça, c'est un problème. Donc, on s'engage, on se bat, les gars, une demi-heure avant cette putain d'accession N2. Une demi-heure, ok? On doit avoir des chiens. Je vous demande pas tout de réussir, je vous demande de vous engager comme des putains de chiens de la casse. Ça marche? Donc on met du rythme, on court, on leur impose des choses. Un quart d'heure, là, pareil, un quart d'heure pour montrer encore une fois qu'ils ont rien à venir chercher en seconde mi-temps. Ils sont contents, ils rentrent au vestiaire, ils vont se branler dans le vestiaire. Putain, sans déconner. Ils espèrent. À la fin de cette mi-temps-là, ils sortent et ils espèrent. Donc soit on met les ingrédients, on se rendra le match facile, soit on met pas les ingrédients, on se rendra le match complexe. Ça marche? Allez, bleu. Allez, juste un truc, si on pousse les ballons, ils ont un poste 3, vous voyez le grand pivot là. Derrière, ils ont pas de rotation. Ils ont pas de rotation. Si on arrive à cramer lui, derrière, c'est difficile. On s'écarte et Sacha Imen ou Rémi.
Mais il écarte les ailiers. À partir de la 10ème minute de jeu, il est cramé le poste 3. Il reste en haut pour essayer de gratter les ballons. C'est ça, passe du gardien. C'est putain de ballon. Il est mort. Il est mort. Faut qu'on pousse tous ces ballons. D'abord la défense, on restabilise. Il faut qu'on se dise quelque chose quand même. Hein. Là, on les laisse revenir parce que bon, il y a la fatigue, il y a les rotations, il y a tout ça. À un moment donné, hein, même tous ceux qui rentrent derrière, il faut qu'on foute la tête dedans, les gars. Il faut qu'on foute la tête dedans. On a 30 minutes. Allez, 0-0. On a notre destin en main, les gars. Allez. Allez, bleu. 1, 2, 3. Taking these drugs, I'm gonna be up until the morning. That ain't your car, you just a lease of you to own. If I'm in the car,
close, you gon' fuck around and drown. Off this way, I'm doing my show. I've been on the road, I don't care why I go long as I get paid. Bad little fight, she been on my mind. Soon as I get back, she can stay. Do this all the time. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je suis pas fier. Je suis... J'ai même pas de mots. C'est magnifique, c'est sorti de ma frontière. Et bisous à ton père. Rien pas de vous. Vous êtes mes champions. Vous êtes les champions à tous. Vous avez entendu ça il y a 7 ans. Et alors,